pense qu'aujourd'hui, la partie importante, c'est de conseguir la qualification pour la CAF. C'est une compétition que nous sommes les champions. À conseguir la qualification, c'est la partie importante. Le match, c'est difficile. Toujours, les éliminatoires d'aller et retour, toujours, c'est difficile. Les résultats, les matchs nuls à Namibia. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que nous avons joué un match qui s'est contrôlé bien le match. Je ne souviens pas un chance de but de l'équipe adversaire. La première mi-temps, je pense que nous avons fait 2-3 chances de but claires. Et la deuxième mi-temps, quand nous avons fait les buts, je pense que le match s'est contrôlé. Mais c'est clair que les dernières minutes, la dernière part de le match, c'est normal que l'équipe adversaire, qui a déjà perdu l'éliminatoire, monte à l'attaque. Mais aussi, il y a pas normal qu'il y ait tension, normal que se doit souffrir pour gagner. Mais aussi, je ne souviens pas une action de but de l'équipe adversaire. Malheureusement, la finale de le match s'est produit cette situation, que je pense que c'est pour la tension et pour en ce moment où les deux équipes veulent gagner, il y a situations de tension, mais je pense que finalement nous devons être satisfaits parce que nous avons accompli la qualification. Coach, l'histoire des faux tweets, vous pouvez nous dire la vérité parce que vous êtes la source. Tu penses que je n'ai dit pas la vérité? Non, vous êtes la source de la vérité. Tu penses que j'ai dit la vérité? Non, tu ne me dis pas la vérité, parce que normalement on dit la vérité. J'ai vu un tweet que ce n'est pas moi et que ce n'est pas de mon Twitter officiel et que ce n'est pas rien à voir avec moi. Alors, si je dois répondre chaque fois à que une personne dit une chose, c'est possible. Alors, s'il y a de la tête foot, de la tête là-bas par ici, ok, qu'est-ce que je peux faire? Si je dois faire chaque fois une contestation à chaque fois que une personne dit une chose, c'est impossible. Mais non, ce n'est pas rien à voir avec moi. والحمد لله على التأهل لدور المجموعات. مقابلة ماشي سهلة بحكم فريق كيلعب كرة حديثة. الحمد لله صراحة لقينا معها صعوبات والحمد لله. المهم هو التأهل للدور القادم. كنتمنى أننا نكونوا موفقين إن شاء الله ونحقق اللقب الثاني على التوالي للفريق ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليه. وكان بغي نشكر الجماهير اللي جات بكثافة لمدينة مراكش وساندت الفريق. شكرا. واش كاين شي فريق رجاء البيضاوي بغى يتفاداه في دور المجموعات او لا كل فرق؟ هما خصهم يخافوا من فريق رجاء البيضاوي. فريق رجاء البيضاوي التاريخ ديالو وكلشي كيعرفوا. هما اللي خصهم يقولوا هاد الهضره اللي قلتي انت. هما اللي خصهم يتفاداونا. الحمد لله حنا ابطال ديال افريقيا. اي فريق جا ننافسوا في حل اي فرق. اش نقول لك؟ فريق رجاء التاريخ ديالو ما كيرحم حتى شي فريق. في الاخر الدقائق ديال المقابله وقعت شي احداث مؤسفه، كيفاش يعني طرا داك الشيء؟ واش واش نقول لك؟ هما من بدايه ديال المقابله هما كيبروفوكيو فينا وكيضربوا فينا، ولعبنا معاهم على الاعصاب ديالهم. هما اللي بداو داك الصداع. جا مساعد مدرب انه ضرب يوسف، جا الحارس المرمى ضرب محسن. ما يمكنش انك تبقى تشوف، ضروري غتمشي تشفك. وماما اش نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زعما هاد الظروف الافريقيه اللي كنشوفو ما يسمحش لك انك تحكم عليها. واش نقول لك؟ ان شاء الله نتمنى نكونوا محظوظين ان شاء الله في الدور القادم ان شاء الله.